Le groupement des sapeurs-pompiers militaires fait le point de ses interventions pour le week-end pascal. Le week-end partant du vendredi 15 avril au lundi 18 avril marquait la célébration de la fête de Pâques. Un week-end très mouvementé qui enregistre plusieurs mouvements de personnes de la ville vers les provinces. Passé cette célébration, le groupement des sapeurs-pompiers militaires dresse le bilan de ses interventions. De nombreuses familles endeuillées selon le bilan dressé par le groupement des sapeurs-pompiers militaires, plusieurs familles ont été endeuillées tout au long de ce week-end. Vendredi 15 avril, 86 interventions, samedi 16 avril, 97 interventions, dimanche 17 avril, 104 interventions, lundi 18 avril, 101 interventions. Total intervention, 388, dont 215 accidents de circulation, victimes évacuées, 351, évacuations refusées, 61, victimes décédées, 20, total victimes, 432. Un bilan lugubre qui doit tout nous interpelle, a posté le GSPM sur sa page Facebook. 2669 interventions en mars. Le mois de mars 2022 s'achève avec 2669 interventions au total, soit une moyenne journalière de 86 interventions. Plusieurs familles ont été endeuillées tout au long de ce week-end. Les compagnies d'Abidjan avec respectivement 952 pour la première compagnie, Indonier, 480 pour la quatrième compagnie, Yopougon, et la deuxième compagnie, Zone 4, réalisent les plus grands nombres d'interventions. La huitième compagnie basée à Bingerville réalise quant à elle 180 interventions. À l'intérieur, c'est la compagnie de Bouaké, troisième, avec 273 sorties qui arrive en tête. La sixième compagnie à Korogo enregistre 174 interventions, tandis que la cinquième compagnie à Yamoussoukro en compte 163 et la septième compagnie de Nzianou en 41. En Abidjan, les communes de Yopougon, Kokodi et Abobo enregistrent les plus grands nombres d'interventions. Concernant les victimes, 2218 ont été transportées durant ce mois de mars, 416 ont refusé de se faire évacuer et 56 décès ont été constatés. 78,74% des victimes sont dues à des accidents de la circulation. Lire aussi Côte d'Ivoire / non-respect du code de la construction des poursuites à l'endroit des auteurs. Selon le procureur de la République d'Abidjan, les principales causes des interventions restent les accidents de circulation qui constituent à eux seuls 51,85% des sorties, suivis des transports de malades avec 11,09% et des feux avec 9,52%. Parmi les feux, 93 concernent les maisons, 59 sont à caractère électrique, 26 intéressent les voitures, 15 les bouteilles de gaz à usage domestique et 08 les magasins.